C'est Yvette Guilbert, la diseuse fin de siècle. Sa maigreur intéressante a épaissi au tournant de celui-ci et son répertoire s'est assagi. L'interprète de parties carrées s'est mise au folklore et au cantique. Madame Bouton, vas-y. Yvette Guilbert qui va bientôt stigmatiser des niaiseries et des vulgarités qu'elle commit naguère avec tant d'intelligence. Nous nous engageons sur l'honneur à être plus difficile, plus délicat, plus sévère vis-à-vis de nous-mêmes que ne le sont depuis 12 ans des critiques qui, par leur indulgence inconcevable, ont aidé à l'envahissement de Paris par ses majestés la niaiserie et la vulgarité. Bravo, 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 bravo. Les sales comme 36 finis, la 40 sous pour prendre un vin. Si tu ne l'as pas pris, d'ici demain, je t'envoie chez les impressionnistes. Quand on va te faire chez les rapins, chez les rapins, chez qui pour les trappes, pour prendre les rapins, va, 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 quand on va te faire chez les rapins, chez les rapins, chez qui pour les trappes, pour prendre les rapins. L'autre gloire.